Alors, monsieur Rouget, vous avez acheté pour 110 000 euros un fils de Wootum Bassett, plutôt une fille de Wootum Bassett, présentée par le haras des Troyens, Nicolas Chambure, qui est juste à côté de nous. Qui a la particularité, ce lot 412, vous entraînez déjà son propre frère. C'est ce qui vous a fait tout simplement lever la main jusqu'à 110 000 euros? Non, parce que la pouliche me plaisait, mais faut jamais acheter le frère ou la sœur d'un bon cheval, parce qu'il est toujours, il est souvent moins bon. Pourquoi? Pour... Parce que c'est comme ça, c'est rare qu'une jument fasse deux très bons chevaux, statistiquement. Voilà. D'accord, et donc vous pensez que ce... J'évite de penser. Vous êtes dans l'action alors? La pouliche me plaisait, je l'ai acheté. Le frère va être bon, elle va avoir une valeur résiduelle. Voilà, mais c'est... Je ne pensais pas la payer ce prix-là. Quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez plusieurs Wootum Bassett à l'entraînement? Non, j'ai que son frère. D'accord. Et un petit mot encore sur l'ambiance, pas l'ambiance, mais du côté des acheteurs. Est-ce que c'est difficile d'acheter cette année? Oui, c'est difficile parce que à partir du moment où vous avez des marchés très forts, il y a toujours des gens battus. Et les gens battus, ils veulent... voilà, c'est un effet boule de neige, donc... Quand le marché part très haut, là aujourd'hui, je trouve que pour l'instant, sur ce que j'ai vu, sur la qualité des chevaux, ça se vend plutôt bien. Voilà. Parce que justement, vous pensez que le catalogue est meilleur cette année? Non, il est moins bon. Sur cette journée-là, il est moins bon. Mais il y a tellement de gens qui n'ont pas pu se servir hier, qui vont essayer de se servir aujourd'hui. Alors, ils payent 10-15 000 de plus que, parce que sinon, ils repartent avec rien. Voilà. Enfin, c'est le début de la vente. Hein. On a fait que 30 numéros, donc... Il faudra voir ce soir, mais le chiffre ne sera pas mauvais parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas été... qui ont été servis. Servis hier. Voilà. D'accord, merci pour cette réaction et puis bonne continuation pour aujourd'hui. Merci.